Pour faire référence à une autre édition du Paris Luxury Summit, j'aurais presque envie de dire que c'est un peu peut-être le néo-punk. Donc, c'est comment construire des utopies face à un monde de plus en plus dystopique. J'espère qu'on y contribue, tout d'abord. Comment? Par plusieurs choses. Je pense que c'est d'abord la force de l'intelligence collective. En deuxième, je mettrai la défense de valeurs qui est très importante dans nos métiers. C'est important aussi de donner du sens. Ça passe aussi par la formation des nouvelles générations. Et puis, on travaille surtout à la notion de ce qu'on va appeler la sobriété désirable. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a lancé le Media Positive Project. Donc, il y a un grand projet collectif qui est travaillé avec. Donc les régies avec les annonceurs, hein, qui nous permet de faire bouger les lignes et qui nous permet aussi d'avoir créé un outil qui s'appelle Alice, qui permet de mesurer l'impact carbone. Donc l'impact positif, hein, est clé dans l'ensemble de nos stratégies. Grande question. Alors je dirais mettre de la conscience dans nos désirs, l'être versus l'avoir. Toujours garder en tête l'humain par rapport à l'hypertechnologie. Et puis en conclusion, peut-être que je pourrais dire mieux, différemment, moins, avec toujours la passion qui nous anime, la transmission, et puis du temps long en fait. Ça, je pense que c'est très important.